Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors il n'y a pas grand chose aujourd'hui, mais je préfère faire la vidéo pour montrer qu'il n'y a pas encore trop de choses. Sinon la vidéo elle dure toujours 15 ans et c'est chiant. Comme je fais que blablater, du coup ça dure 15 ans. Donc moi le produit, c'est bien. Donc on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'avais acheté il y a un petit moment un gel douche comme ça. Ushuaïa. Douceur du Japon. Alors c'est quoi? Lait de riz et fleur de sakura. Alors j'aime bien l'odeur, hein. Ça sent hyper bon et tout. Puis ça l'a bien, enfin ça fait son job quoi. Mais le souci c'est que je me demande si ça me donne pas des boutons aussi. Alors moi je suis allergique à tout, bientôt je vais être allergique à mon humour. J'en ai marre. Bref. Et du coup, j'ai réussi à le terminer, mais c'était un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression que ça me donnait des démangeaisons. Donc, Ushuaïa, je pense que je vais arrêter. J'aime bien parce qu'ils sont super bons, leur gel douche, je vais y arriver. Mais voilà, je pense que ça m'a donné des boutons. Voilà. Ensuite, j'avais terminé un petit shampoing, je crois que c'était ma frangine qui l'avait passé aussi, celui-ci. Comment on dit ça? Bio, Biophalis, bio. Je sais pas comment on dit, bio, Biophalis, bio, je sais pas quoi. Donc, comme son nom l'indique, c'est un. Ils sont chiants. Je suis désolée, il y a encore du bruit dehors, c'est bon. Mais non, il y a un camion. Les joies la vidéo alors c'est aux extraits d'hibiscus et de grenade bio. Alors comme son nom l'indique c'est un shampoing bio, mais personnellement j'ai pas aimé. Alors ma frangine a trouvé, ça lui régressait vite les cheveux. Alors j'ai pas trouvé que ça régressait hyper vite, mais moi j'ai beaucoup de problèmes avec les shampoings pour en trouver, c'est une galère. Ils sont très très bons. Mais moi ouais, je ne l'ai pas trouvé top. Parce que, bah, comme je vous dis, moi les shampoings, ça fait toujours collant en fait. C'est pas gras, c'est juste que le shampoing ne se rase pas bien sur mes cheveux. Je comprends pas, ça me fait une grosse pellicule ici, grasse. Et j'ai beau rincer pendant 4 ans. Ça reste quand même. Et c'est hyper relou. Donc j'ai pas aimé parce que voilà, ça m'a pas convenu en fait. Mais ils sont hyper bons et ça lavait quoi. Et j'ai pas trouvé par contre qui rendait les cheveux gras. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que ça rendait pas les cheveux gras, mais moi ça me faisait quand même une pellicule grasse derrière. Donc, et un résidu sur le cuir chevelu. Donc, ça rend pas les cheveux gras, mais c'est pas top quand même. J'ai re-terminé un truc comme ça de la marque Palmer's. L'huile de coco, l'hydrate encore. Mais franchement c'est brûlé. Bref, je pense que vous êtes au courant, j'aime pas ce truc. C'est chiant à sortir du flacon là. Parce que c'est un truc comme ça, je sais pas si vous avez bien voir. C'est hyper chiant à sortir du flacon. Et là, tu tapes pendant 4 ans, ça sort pas, c'est chiant. En plus ça hydrate pas bien. Parce que on a toujours la peau sèche. Pardon, on a toujours la peau sèche derrière, donc c'est de la crotte. Voilà, j'aime pas. Ça sent bon. Mais c'est. Enfin ça sent. Pas trop la noix de coco, mais ça sent bon quoi. Mais franchement, c'est nul. Pas besoin d'en parler pendant 15 ans, c'est nul. J'ai terminé une petite crème de nuit de la marque Polar, comme ça, nuit polaire. Et franchement, j'ai adoré. J'adore ce truc. Ça sent rien, je crois. Ah, si ça sent un petit peu, mais ça sent bon. Enfin, j'aime bien. Et franchement, c'est ce. Ce petit truc est top, je crois que j'en ai un deuxième, pas je me dis. Ce petit truc est top. Ça laisse vraiment un gros film sur la peau. Et je trouve que, je sais pas, ça hydrate bien, ça lisse un peu la peau aussi. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai trouvé que ça lissait un petit peu la peau. Et franchement, c'est trop bien. J'arrive pas à voir, du coup, j'ai tout à la machine, le flacon.
Ouais, voilà, la peau est plus lissée, chargée en oxygène. Revitalisée, elle est éclatante de jeunesse. Sans alcool, sans parabènes et sans huile minérale. Franchement, je l'ai trouvée. Elle s'est sauvée, mais je l'ai trouvée bien. Je voulais juste la poser. Elle s'est barrée de loin. Pourtant, j'ai dit du bien à toi. Fallait pas te sourire. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui! J'ai mis du temps à la terminer. Oh là là, j'ai mis extrêmement de temps à terminer ça. C'est une protection solaire, un SPF. Alors c'est 15, je crois, oui, c'est ça. De la marque, je ne sais pas quoi, parce que j'arrive jamais à dire ce truc. Mais ah, j'ai mis 40 ans à terminer, parce que moi j'ai un peu de mal à mettre les crèmes solaires, les SPF, les machins. Alors j'en ai racheté un. Chercher l'erreur. Mais ben, en fait, je veux pas avoir des trucs dégueulasses comme ça là. Donc j'essaye d'en mettre. Mais il y a 40 millilitres là-dedans et je suis extrêmement mal à terminer. Sur la fin, ça puait de ouf. Parce que ça faisait tellement de temps qu'elle est ouverte, elle puait de ouf. Bon, ça a pas vraiment donné le bouton et tout, mais oh, comment j'ai beaucoup mal à terminer. C'est un truc de fou. Bon, après, je peux pas vous donner d'avis parce que je sais pas trop. Je saurais pas trop vous dire si ça aide vraiment ou pas. Je ne pourrais pas vous dire. Après, ça hydrate, vu que c'est une crème, donc forcément ça hydrate un minimum. Mais après, je peux pas dire si ça fait bien son effet ou pas. Ouh, mais ça fait hyper longtemps. Oh, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. C'est hyper longtemps que j'ai terminé ce truc. Vous le connaissez, je pense. Parce que je vous l'ai montré plein de fois dans mes premiers derniers. Le petit sérum à la vitamine C de chez Axio. Et celui-là, je l'adore. Franchement, je le trouve bien. Ils sont bons. Ah, je m'en suis imaginé. Il y en a encore un peu dedans. Franchement, ils sont bons. Il est pas mal. Celui-là, je le trouve bien. Il donne un bon coup de frais et tout. J'aime bien. J'aime bien celui-là. Et puis, bon, normalement, la vitamine C, c'est bon pour. Pour se lever, mais non, ça aide pas beaucoup. On sentit oxydant. Voilà, voilà. Mais bon, je le rachète quand même, c'est bien dire. En ce moment, chez Action, ils ne le font plus. Ils ne le font plus. C'est bête, parce que j'aime bien. Bon, je vous en fais pas un club pendant 3 ans, parce qu'en France, vous connaissez la chanson. Pareil, j'ai terminé une eau de rose. J'en viens l'air fou. De chez Action aussi. Et pareil, j'aime bien. J'aime bien, c'est là que ça donne un beau coup de frais quand on a la flemme de d'utiliser un nettoyant et tout. Tu mets ça là, sur un petit coton réutilisable. Non, je prends pas les cotons. Les cotons, je perds ma voix. Et donc, je mets ça sur mon coton, je me. Et un bon coup de frais, ça fait vraiment du bien. Bon, après le matin, je me lave la peau, mais. Et franchement, mettre ça le soir, c'est le pied, tout à l'heure. J'adore. En plus, ça sent bon, donc c'est le bien. Il nous reste une crotte. Il reste une crotte. Non, il y a un peu de mouille. J'espère que vous n'avez pas entendu. Il y a un peu de mouille. C'est bon, je peux attendre 10 ans. Du coup, j'ai terminé un shampoing de la marque L'Oréal il y a très très longtemps, parce que c'était avant que je me mette au. Shampoing naturel, puis finalement j'ai arrêté parce que les choses étaient une catastrophe. Mais du coup, j'ai pas racheté celui-là. J'ai racheté d'autres shampoings qui aident pour les démangeaisons de cuir chevelu, tout ça, les pellicules, parce qu'à force de se gratter, ça fait des pellicules, c'est chiant. Du coup, j'ai pas racheté celui-là, mais sinon je les ai mis, ils sentaient bon. Et puis bon, là, mon ami va tuer parce que c'est tellement longtemps qu'il est là-dedans. Ah non, ils sont bons. Ils sont bons, par contre, ça fait mal de la sorte, vous avez pas vu. C'est normalement pour cheveux longs et abîmés. Bon, comme j'ai plus les cheveux longs, c'est pas trop grand chose que j'achète cela. Et en plus, je vais retourner chez les coiffeurs pour ça parce que, en plus, là, c'est toujours ma petite truc. Parce que, oui, je suis habillée pareil, coiffée pareil et maquillée pareil parce que j'ai tourné 2 vidéos dans la même journée. Donc, j'avais la même coiffure dégueulasse dans les 2 vidéos. Du coup, celui-là, je l'aimais bien. Franchement.
Il faisait bien son job. En plus, il me régressait pas, enfin, il me faisait pas le film gras dégueulasse derrière. Donc franchement, je l'aimais bien. Celui-là, je l'aimais bien, mais bon, c'est vrai que j'essayais de. Parce que quand on voit la longueur des ingrédients, on se dit bien que. Il y a beaucoup de merde dedans. Donc j'essaye d'éviter de prendre des shampoings qui a trop de trucs dégueux dedans. Mais franchement, les shampoings naturels, c'est pas possible. On a les cheveux horribles. Moi, je suis restée avec les cheveux horribles pendant 4 mois. Et ça c'était toujours dégueu. Enfin, ils ont pas. Normalement, on dit oui, ça reste longtemps. Les cheveux sont un peu lourds, crasseux en fait, comme si c'était crade. Et au bout d'un moment, ça passe. Ça faisait 4 mois, ça passait pas. La honte, quand on va à un rendez-vous et qu'on a les cheveux dans cet état, alors c'était en hiver, je devais être un bonnet, ça se voyait plus, mais là, on arrive en été, faire ça, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai arrêté parce que c'était pas possible. Je pouvais pas. Je pouvais pas, j'aime pas avoir mes cheveux dégueu. Et je pouvais pas. Là, c'est pareil, j'ai mes cheveux qui ont pris tant que l'essence, c'est pour ça que j'ai mis attaché. Je peux pas, ça m'horripile. C'est quoi ça déjà? Ah oui, si ça y est, faut que ça monte au cerveau. Une crème aussi que ma frangine m'a donnée, parce que j'avais plus de crème pour les mains, j'en avais de chez Action, mais je ne les trouvais pas terrible et j'avais les mains complètement défoncées. Et donc, du coup, elle m'a passé une crème comme ça, de la marque La Roche-Posay, et franchement, elle est super cette crème. Elle est géniale. Si vous avez les mains vraiment abîmées, bon, là, ils ne sont pas trop abîmés parce que. On est en été, donc, enfin on arrive en été. Donc là ça va. Mais c'est vrai que quand vous avez les mains vraiment craquelées, défoncées, limite aux crevasses, cette crème elle est géniale parce que c'est vraiment très riche. Bon, après, par contre, il ne faut pas lire un livre ou quoi que ce soit parce que c'est très très gras. J'aime pas trop ça généralement, mais bon. Comme ils font plus la mienne, hein. Voilà, Garnier, si vous passez par là encore, on fait la crème. Du coup, ouais, j'ai bien aimé cette crème. Et, je suis en train de chercher le français. C'est pas français. Ah voilà, propriété. Apaisement et réparation de la barrière cutanée. Protection, barrière anti-frottement, résistante au lavage. Bon, là, possiblement, moi, j'ai bien non. Texture absorption rapide, fini invisible, non gras, non collant, plus mensongère, je vous le dis, c'est gras, c'est pas vrai, bon, non collant, non, c'est pas collant, mais gras, oh ouais, c'est gras. Les rougeurs et rugosités diminuent, nourrit et répare. Les mains retrouvent leur souplesse, la peau est mieux isolée des agressions extérieures futures, efficace, testée et approuvée en milieu professionnel. Voilà. C'est bon? Merci. Bref, voilà, j'ai dérivé cette crème. Franchement, si vous avez vraiment les mains abîmées comme moi, testez cette crème, elle est super. Après, par contre, le prix, à mon avis, il est peut-être pas donné. Mais franchement, elle est bien. Il faudrait que je regarde. Je vous mettrai la notation pour vous dire si le prix est élevé ou pas. Pareil, j'ai terminé un petit masque. Ça faisait hyper longtemps que j'avais. Un petit masque pour les cheveux. Un masque de nuit. Et franchement, j'ai adoré aussi ce produit. Bah, quand j'avais les cheveux longs, parce que là, j'en ai plus trop besoin. Mais... Quand j'avais les cheveux longs, les longueurs sèches et tout ça, ça c'est génial, c'est fait pour 'soigner les cheveux fragilisés grâce à son étonnante texture, gel masque, sa formule naturelle hydratante, ne laisse aucun résidu, ça c'est vrai par contre. Elle allie les vertus antioxydantes de la pivoine et revitalisante d'une lotus bleue, nuit après nuit le cheveu est régénéré. Il est souple et facile à coiffer au réveil. Donc du coup, on met ça le soir sur les cheveux. Et le lendemain matin, il n'y a pas besoin de rincer. Et on n'a pas les cheveux gras. Et ça, c'est cool. Parce que moi, les cheveux, ils régressent au bout de 2 jours. Ça me gonfle. Et avec ça, franchement,
On n'avait pas les choux gras. Enfin, je n'avais pas les choux gras, c'est comme ça. Parce que, je ne sais pas, les autres peut-être, moi non. Et franchement, j'ai bien aimé parce que ça. Bah, déjà, oui, ça ne laissait pas le cheveu. Ça ne laissait pas de résidu sur les cheveux et on n'avait pas les cheveux gras. Je vais les voir un petit peu. Et franchement, ça hydratait bien la base des cheveux. Enfin, non, pas la base, la pointe des cheveux. C'est, franchement, j'ai bien aimé. J'ai adoré ce truc. Donc, si je peux racheter pareil, je rachèterai. Donc, j'aurai les cheveux un peu plus longs parce que là, il n'y a pas grand-chose à mettre. Parce que, après, si je mets ça au cuir chevelu, je vais avoir les cheveux gras, c'est sûr. Donc, on va éviter. Pareil, j'ai terminé il y a 2-3 jours. Je ne sais plus quand j'ai terminé ça. Non, hier. J'allais dire 2-3 jours. Non, j'ai terminé ça hier. Un gel douche, un nettoyant corporel. De la marque Terre de Mars. Et alors, par contre, c'est poisseux, berk. Je pense que partout. Ouais, l'odeur est spéciale quand même. J'aurais pas osé cliquer. C'est une odeur de truc vraiment chimique, on va dire. On va dire ça comme ça. C'est vraiment l'odeur, elle est quand même assez agressive. Il y a quoi dedans? Extrait de café, antioxydant, verveine. Tonifié, ouais, ça doit être la verveine, ça sent pas très bien, franchement. Et l'aloe vera. Et le mélange des trois, c'est vraiment. L'odeur est forte et je l'ai terminé, hein. J'ai pas eu de problème parce que je n'ai pas vraiment de problème avec les odeurs, mais franchement, c'est pas terrible l'odeur quand même. Mais j'ai pas vraiment de problème avec les odeurs. Enfin, ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles, soyons clairs. Mais les trucs comme ça en produit. Nettoyant et tout, j'ai pas trop de problèmes avec les odeurs donc ça a été. Mais c'est vrai que j'ai pas trop. Bon, ça lave, hein, c'est un truc pour la. C'est un truc nettoyant, donc ça lave, mais franchement, j'ai pas été emballé par ce truc. C'est pas ouf, ça sent pas bon. Le flacon est hyper long, je fais 4 ans à terminer, même si moi j'en mets toujours la top, donc ça fait hyper vite. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à utiliser ce produit. Je crois qu'il y a un peu plus d'un mois. Comme j'en ai toujours la top, forcément ça va vite, mais bon, après, c'est sûr que c'est économique du coup, parce qu'il nous y vient, donc c'est plutôt économique, donc c'est très très bien, mais ouais, non, je suis pas emballée, je rachèterai pas ce top, je suis pas du tout emballée. Voilà, et donc c'était le dernier produit, et donc pour une fois, la vidéo ne va pas être longue, et ça, c'est cool. Il faut que j'aille récupérer mon petit truc là-bas parce que sinon il peut y rester très longtemps. Surtout qu'il est derrière l'ancien tour donc il peut rester très longtemps là, je pense. Il est planqué derrière. J'ai du gel douche qui pue partout. Il pue ce gel douche, c'est un truc de fou. J'ai l'odeur partout là, ça pue. Bon, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que le bruit ne vous a pas dérangé encore parce que, comme d'habitude, chaque vidéo que je fais, il y a toujours du bruit. Toujours quelque chose. Je regrette de ne plus habiter en campagne parce que quand j'étais chez mes parents, c'était à la campagne donc c'était tranquille en fait. Sauf que bah pour tourner, c'était compliqué vu que c'était pas chez moi donc c'était un peu compliqué. Mais je regrette. Voilà. Je regrette de ne plus être à la campagne parce que là, les bruits, c'est compliqué en fait. Donc j'espère que ça vous a pas trop dérangé. J'espère que ma coiffure aussi, vous n'avez pas fait une fixette dessus parce que c'est n'importe quoi. C'est une catastrophe. Pour sortir, je veux pas. Je vais tout enlever et puis je vais me lisser les choses parce que là, c'est cadavre. C'est franchement horrible. Enfin, je sais pas si je vais m'amuser à lisser derrière parce que c'est très très relou. Mais je vais pas rester comme ça. Parce que la honte. Bref, voilà pour ma petite vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, si vous en commentaire, vous avez des petits produits chouchou que vous voulez, que vous voulez racheter tout le temps. Et sauf que des fois ils les font plus et là tu te dis mais non pourquoi et après tu veux à tout prix qu'ils les refassent mais jamais ils ne le refont. Je l'ai cherché partout ma crème pour les mains, je l'ai cherché même sur internet, rien, elle est en rupture partout. Je veux bien les pour le corps, je viens pas prendre celle pour le corps pour les mains. Ça peut peut-être marcher, hein. Je n'ai pas essayé, ça peut peut-être marcher là. C'est une crème pour le corps pareil de la marque Garnier, sirop d'érable, je crois, ou un truc comme ça.
J'ai plus trop. Je crois que c'est sirop d'érable, ça fait tellement longtemps que je l'ai plus, mais j'en parle toujours parce que ça m'a marqué cette crème. Ouais, du coup, c'est exactement le même packaging et tout, sauf que c'est une crème pour le corps, c'est pas une crème pour les mains. Donc, bon, je suis pas sûre que ça fasse le même job. Mais bon, je peux toujours essayer, hein. Si j'arrive au bon flacon, il est quand même beaucoup plus gros, donc ça va être très long. Enfin bref, j'arrête de parler parce que je pars encore dans des trucs et des machins. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.